contraire de tout. Quand on a beaucoup vécu et qu'on est au soir de sa vie, on est tenté de ne rien lui dire, sachant qu'à chaque génération suffit sa peine, sachant aussi que la recherche, le doute, les remises en cause font partie de la noblesse de l'existence. Il ne faut pas s'installer dans sa vérité et vouloir l'asséner comme une certitude, mais savoir l'offrir en tremblant comme un mystère. Il faut croire à la grandeur de l'aventure humaine. Il faut savoir jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, rouler son propre rocher. La vie est un combat. Le métier d'homme est un rude métier. Ceux qui vivent sont ceux qui se battent. Il faut savoir que rien n'est sûr, que rien n'est facile, que rien n'est donné, que rien n'est gratuit. Tout se conquiert, tout se mérite. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Je lui dirai qu'il faut savoir trouver à travers les difficultés et les épreuves cette générosité, cette noblesse, cette miraculeuse et mystérieuse beauté éparse à travers le monde. Qu'il faut savoir découvrir ces étoiles qui nous guident où nous sommes plongés au plus profond de la nuit et le tremblement sacré des choses invisibles. Je lui dirai que tout homme est une exception, qu'il a sa propre dignité et qu'il faut savoir respecter cette dignité. Je lui dirai qu'envers et contre tous, il faut croire à son pays et en son avenir. Enfin, je lui dirai que de toutes les vertus, la plus importante, parce qu'elle est motrice de toutes les autres, la plus importante me paraît être le courage, et surtout celui dont on ne parle pas, et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, c'est peut-être cela, l'honneur de vivre. Commandant Élie de Saint-Marc.